nous, droit devant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Atreus, avec moi! J'arrive, j'arrive! Un cristal lumineux d'Alfheim. Je me demande à quoi il sert. Lila. D'accord. Par ces dons de la mer, nous rendons grâce à Njord. Ah oui. On raconte que Njord aurait calmé les vents et les eaux en faveur des pêcheurs. Depuis lors, il l'adore et le vénère ici.
De la sève durcie, de l'arbre monde, ça tombe bien. On pourrait essayer par ici. Comment on descend ? J'ai un plan. C'est vrai ? N'aie pas l'air si surpris. Mon frère, je doute que même Thor, armé de Mjolnir, puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Atreus ! Je suis prêt. Attention, Dieu!
crois que je m'améliore. Impressionnant, ce combat. Tiens, attrape. Oh, c'est ce qui s'appelle gâcher une pomme qui était parfaite. Par où es-tu passé? Il n'y a nulle part où se cacher ici. Ah, ça. C'est un petit tour que mon peuple maîtrise. Une façon de ne pas être vu. Tu peux devenir invisible? En fait, je peux entrer dans le monde qui se trouve entre les royaumes. Et comme ton esprit ne peut comprendre ce qu'il voit... Il ne voit rien du tout. C'est comme ça que nous évitons d'avoir à utiliser les armes que nous créons. Mais ça ne marche pas sur les dragons, apparemment. Ton frère se demandait si tu mangeais suffisamment. J'imagine que je peux lui dire que oui. Brock a demandé comment j'allais. Est-ce que son haleine sentait l'hydromel? Tu l'as laissé toucher à ta hache. Oh ! Allons voir ça. C'est pour ça que Brock était dans le temple juste après la baisse du niveau de l'eau. Il est passé entre les royaumes. Allez, silence maintenant. J'ai besoin du silence complet.